Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce petit break du mois de mars. Installez-vous, prenez un truc à boire, à manger. À mon avis, on est nouveau reparti pour une heure de vidéo comme d'hab. Hein. On va breaker ensemble des optiques, comme vous pouvez voir à l'écran, hein. Pas de surprise. Mega box avec en guest star les parallèles Purple Shock et les. C'est l'opaque avec les parallèles Blue. Merde, le nom m'échappe maintenant. Velocity, voilà, que j'aime bien. Et le main event ce sera la box élite. Voilà, on s'installe, on y va. Petit break entre deux siestes du samedi. On est samedi après-midi, hein, je ne sais pas quand j'aurai uploadé la vidéo, je ne sais pas quand vous la verrez, peut-être déjà ce soir, hein, très honnêtement. J'avais dit demain, mais bon, si ça upload vite, autant vous la donner tout de suite. Qui a dans ce break? Qui? Mais qui? Qui est avec nous? J'ai pas la liste. Voilà, bravo. Alors, on va choper le PC. Nous avons dans le break Greg qui a donc les Bucks, Celtics, OKC, Olivier qui a la ménagerie avec les Grizzlies et les Wolves, Florian les Knicks, Étienne les Nets, Grégory d'Amico qui a d'habitude les Nets, là il a les Hawks, Alexandre les Suns, Gilles les Pacers, Estelle les Spurs, Fabrice les Cavs, Damien les Pistons et les Sixers. Sabri le Magic, Johan les Mavs, Romain les Warriors, Alexandre l'autre Alexandre les Lakers, Benoît les Kings et Nico les Pels. Voilà. Une fois n'est pas coutume, vous savez comment ça se passe. Ah, je me rapproche de nouveau. On va avoir toutes les parallèles et tout, les autos qui seront dans les orphelines que vous m'avez laissées. Donc. Préparez-vous à voir un auto de Scotty Barnes et de Jalen Green. Ok, on y va alors. Allez, c'est parti. Par quoi on commence? J'ai envie de commencer par mon cœur balance. La Mega Box. Let's go. On pousse un peu ça. La Mega Box. C'est parti. J'ai pas pris les ciseaux. Nickel. Est-ce que j'ai autre chose? Portée de main pour virer le plastoc. Bravo. Commence bien. Ah. Le tire-bouchon. Toujours utile. Toujours un tire-bouchon sur soi. Voilà. Hop. Nickel. Hop, 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 hop. On vire ça. C'est parti. Essayer d'ouvrir ça proprement sans tout défoncer. C'est possible. Non. Quelle délicatesse. Ok, Panini. Ok, Panini. C'est gâché un petit peu de carton, ça, quand même, j'ai l'impression, non? Allez, let's go! Dans les premiers, hein, on aura probablement, sûrement, d'ailleurs, aucune auto. Peu de chance d'avoir quelque chose sur ces box-là. Ouais, le vrai intérêt, c'est de choper, effectivement, les parallèles exclusives qu'il peut y avoir dans ce type de pack et de box. Bon, alors les optiques, vous les connaissez, c'est encore les optiques de 2020-2021. Cam Reddish, qui est encore aux Hawks. Mike Conley. Les T-. Qui existe aussi en variation d'ailleurs, hein. Ça c'est la classique. Et voilà, la première Purple Shock. Alors je vais essayer de. Putain, l'éclairage est nul! Nul! Oui, voilà, je pense qu'on le voit un peu. En fait, il y a une espèce de traînée, un effet comme ça sur la carte. Et Purple, parce qu'elle est Purple, bien évidemment.
La première, elle va à Utah Jungles. Je ne vous cache pas que je kifferais bien choper une petite Lamelo. Harrison Barnes pour les Kings. La première rookie pour Onyeka Okongwu qui fait une excellente saison. Il ferait même penser à trader Capella Hawks, je pense. Une Zion en silver. J'espère que tu l'as pas encore celle-là. Et là, Elijah Yuk, encore pour le Jazz, décidément. Ah là, on voit un petit peu mieux l'effet, là. Nickel. Merci, les rookie cards. Donc là, vous voyez bien l'effet. Un petit peu shiny, comme ça. Quand ça brille, c'est joli. Brogdon pour les Pacers. Chamette pour les Nets. Faut que je fixe cette table, elle fait du bruit, hein, c'est terrible. My House de Paul George. Et alors Ford pour OKC en Purple Shock. Non, je crois que j'en ai foutu. Ouais, la Zion Silver dans le mauvais état. Voilà, on va faire un peu le tri déjà tout de suite. Hop. S'organiser. Stephen Curry. Saben Lee pour les Pistons. Les Air Defense Bam Adebayo pour le Heat. Ouh, la petite Purple Shock de Jamorant avec Anthony Edwards derrière. Hein. Sympa. Ah, attends, Grizzlies. Non, mais c'est... Oui, bah parfait. Et Olivier, deux en un. Jamorant et Edwards. C'est pas nickel ça. Josh Jackson, encore les Pistons. Les Pistons devraient être bien servis avec tous les joueurs, les rookies, etc. PG Tucker, ça c'est Houston. Express Lane pour John Wall. Carl Anthony Towns en Purple Shock. Nice. Brook Lopez qui devrait revenir pour le Bucks. Isaiah Stewart pour les Pistons. Winner Stays de Kyrie Irving aux Cavs, attention, en silver, et pour OKC, Pokusevski, Purple Shock. Bogdanovic pour le Jazz. Chez Gilgeous Alexander. La photo est sympa. Ouh, le My House de James Harden en purple. On a un peu changé d'écurie entre temps, mais pareil pour DeMar DeRozan. Ouh, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu off-center celle-là, non? Oui. L'attitude est cool, là, ça foutait sympa. Et en purple shock. Nice. 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 Michael Porter Jr. Alors, j'ai déjà vu, je sais pas si vous avez vu. Mais la purple, c'est une rookie card. Devin Vassell pour les Spurs. Anthony Davis en My House pour les Lakers. Vernon Carré Jr. pour les Charlotte Hornets. Nickel, super. Exactement le mec que je voulais. Parfait. JJ Redick, le retraité,
pour les Pels, le grand ami de Zion. Ricky Rubio pour les Wolves. Splash avec LeBron. Johnny Acer, les Lakers. Et DeAndre Ayton, Purple Shock pour les Suns. Bon, vous verrez mieux quand vous aurez les cartes en main, l'effet. Reste la bateau. Si j'oublie pas de les faire cette fois-ci, les photos, peut-être que je ferai des photos où on verra un petit peu mieux. Julius Randle, Knicks, Skyler Mays. Ça va, c'était juste une saleté. Pour les Hawks, Colin Sexton, voilà, très très mal centré la carte. Pour les Cavs, en silver. Cavs encore avec Rajon Rondo. C'est sympa cette photo là. Nice. Marvin Bagley. Il n'a pas été tradé au Piston lui d'ailleurs, Bagley. Si, non. Non, je sais plus. J'ai un doute. Le doute me dit. Ted Curry qui a lui changé d'écurie. Isaiah Thomas. Express Lane. Toujours pour les Pistons. Et Duncan Robinson pour le Heat. Trois derniers. Je me suis posé la dernière carte. Brandon Clark pour les Grizzlies. Tyrese Maxey pour les Sixers. Express Lane. Kyrie Irving pour les Nets. Et une petite Killian Hayes, les Pistons. En Purple Shock. Joli, joli. Le dernier. Kyle Lowry, Colin Sexton, ou une petite T-minus en purple de Tatum, joli joli. Derrière nous avons Jamal Murray pour les Nuggets. J'ai l'impression que je regarderai après, mais Purple Shock c'est nouveau, pas mal sorti sur les orphelines. Hein. Oh! L'esprit de cheese. T'as un terri avec quelques petits accros sur la carte, dommage. Winner stays pour Kevin Durant au Golden State Warriors. Et ben voilà, Domantas Sabonis pour les Pacers. Nice, cool. Avec quelques jolies cartes. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. On va aller hein, directement sur les cello packs. Alors les cello packs. Un peu comme les prismes, moi j'aime bien. Au final, je trouve ça plutôt pas mal. Donc on a le petit pack bonus toujours avec. Qui normalement, donc là, il y a les Velocity dedans. Et le pack classique, on va sûrement retrouver, j'espère pas trop de double, ni d'autres parallèles. On va voir ça. Sacré petit paquet quand même. Allez, Andy Barrett, Joel Embiid, Jason Tatum, CP3, John Collins, Daniel House Jr. Un petit T-minus de Luka Doncic en purple. Purple, hein, vous voyez les. Je sais pas si vous vous souvenez de la toute première qu'on avait chopé. Attendez, je vais la voir. Elle doit être normalement, si j'ai pas trop. Là, de Giannis. Paf, voilà.
Vous voyez que les vaguelettes là sont blancs sur la classique. Et purple sur la purple. Express Lane de Gary Payton à Seattle, donc elle ira à OKC. La petite My House de Zion en base. Patrick Williams pour les Bulls. Jordan Nwora pour les Bucks. Et Aaron Naismith pour les Celtics. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on garde toutes les... Bon. Pour la fin. Comme ça, on en ouvre déjà, on verra après. Comme ça, on voit ce que ça donne. D'accord. Ils m'ont fait un filure derrière, oui. Donc les voilà, les fameuses Blue Velocity. Première, c'est pour OKC, Lukenstort. Rabat Medebayo, voilà, on la voit bien là, avec l'espèce de petit carré derrière. J'adore ça, j'adore ces parallèles là. Jonas Valanciunas, ça c'est pour Memphis. Même s'il a changé entre temps. Voilà. Autant vous dire que la Blue Velocity de la Melo, j'aimerais bien la choper. Allez hop, prochaine, Jonathan Isaac. J'espère qu'il va revenir bientôt, lui. Je l'aimais bien. Enfin, je l'aime toujours bien, hein, mais un petit peu pourri par... Par les blessures, TJ Warren pour les Pacers, Mo Bamba, Miles Turner, Seth Curry qu'on a déjà eu, Colin Sexton qu'on a déjà vu aussi, Conley aussi, Nick Richards en purple pour les Hornets, la Splash pour Devin Book. Je suis en train de faire de petits SD, je pense, avec le bruit du mail à cause du taf. Tobias Harris en silver pour Phila. Trey Jones pour les Spurs. La rookie card. Je suis en train de faire l'état, mais l'état, en fait, avec... se casse un petit peu la gueule. Kyrie Lewis Jr. pour les Pelicans. Kevin Love pour les Cavs. Ouh, une petite Xavier Tillman. Jalen Smith pour les Suns. Cool. Ah oui, on a en fait... Au début, j'avais annoncé 6 cello comme ça. Et la personne à qui je les ai achetés m'a gentiment fait don gratuitement d'un pack en plus. So, thank you, Keith. I don't know if you're gonna watch this video, but thanks, man. Real kind of you. Kemba, John Wall, Chris Wood pour les Rockets. Wendell Carter Jr. pour les Bulls. Landry Shamet. Oups. C'était un petit peu collé celle-là. PJ Tucker. Lou Williams en purple pour les Clippers. Une Express Lane pour les Suns de Steve Nash. Ray Allen pour le Heat. Winner Stays. Cassius Winston pour les Wizards. Devon Dodson pour les Bulls. Daniel Autourou pour les Clippers. Pas le meilleur pack. Pas se mentir. Pas ouf celui-là. Hein. On va dire que c'était le gratuit. Jimmy Butler
pour Miami. DeAndre Ayton pour les Suns. Ouais, les Suns, bien, 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 bien. Pascal Siakam pour les Raptors. Du rookie, là, du rookie, du rookie, du rookie. DeMar DeRozan, DeJounte Murray, excellente saison de lui, enfin un peu épargné par les blessures, c'est cool. Kevin Werther, les Hawks, Davis Bertans, les Wizards, Zach LaVine, c'est les Bulls, Bulls encore avec Kobe White. Je peux encore en prendre deux là? Non. Colin Sexton, décidément, en purple cette fois-ci, classique. Petite splash de D'Angelo Russell pour les Wolves. Precious Achiuwa pour le Heat en silver. Les Kao Kongo qu'on a déjà eu avec malheureusement quelques petits traits là sur la carte. Au-dessus de mon épaule là, dommage. Et Saben Lee pour les Pistons. Hop. Serge Ibaka pour les Clippers. Elijah Hughes, décidément, le Jazz. Ouh, petit Pokusevski. Nice. Ok, ici. Bien, bien, bien. C'est une bonne idée de les prendre, au final, ceux-là. Est-ce que je suis encore en train de faire un. Un tirage misérable aux Pacers ou je suis en train de réfléchir les équipes qu'on n'a pas trop vues. Pas foufou, hein? Bah tiens, parlant du loup. Malcolm Brogdon, Curry qu'on a déjà vu, Josh Jackson, pareil, Damian Lillard. Ok, mais oui, eh ben Jacques Sigma, Loto, nice pour les Sonics. Bah ok ici encore, bravo ok ici. Greg, hein, bien fait de les prendre. On la sleeve tout de suite celle-là, en purple en plus. On va baisser un peu le son, hein. J'ai l'impression que ça gueule là derrière. Hop, on va lui mettre une jolie petite protection. Voilà. Un petit présentoir qui va bien pour cette première. Un petit auto, bravo, Jacques Sigma. Eh ben, je ne m'y attendais pas. Express Lane, Luka Doncic. Elle est en silver, hein, holo. Ou holo ou silver, je sais jamais lequel c'est. Une petite splash pour les Nuggets et Jamal Murray. L'Express Lane de Jamorant. Théo Malédon. Toujours Casey. Denis Avdija pour les Wizards. Et Jamarius Ramsey. Pour les Kings, et ben, ah, Fox, pour les Kings, elle est sympa celle-là. Otto
Otto Porter Jr. pour les Bulls. Et Jarrett Allen pour les Cavs. Jolie carte pour les Cavs. Bravo Fab. On a les deux derniers. On aura une auto sur un sel opaque. Hein. Il se plutôt cool, hein, j'ai l'impression. Ça n'arrive pas souvent. Je pense qu'ils ont quand même dû mettre quelques-uns, surtout des noms numérotés, quoi, mais. Michael Porter Jr. pour les Nuggets. Jerry Lee qu'on a déjà vu. Julius pareil. Marvin pareil. Kyrie pour les Nets. Drummond pour les Warriors. Mais dis donc, est-ce que ça serait pas un checkerboard ça, Alfred Payton? Ok, pourquoi pas, les Kings, bravo. Ok, why not? Bah écoutez, parfait, hein. Ok, bon. Bon alors c'est pas le joueur le plus fou de l'histoire de la NBA, mais bon. He's cool. Hein. Flo, hein, bravo. T'avais eu les Knicks au tirage au sort. Le Jazz, Pete Maravich. Dirk, Winner Stays. Isaiah Stewart, je crois qu'on l'a déjà vu. Peyton Pritchard, pour les Celtics. Et une petite Anthony Edwards, pour Olivier. Je crois que tu l'avais déjà eu. La même, la dernière fois, me semble-t-il. Clay Thompson. Danilo Gallinari pour les Hawks. Gilles Alexander. Bon, par contre, faut en laisser un peu pour les autres, ok, ici. Hein. C'est, s'il vous plaît. Ah. Un peu de décence. Bon, le dernier. On croise les doigts. Lopez, on a déjà vu, Bojan aussi on t'a déjà vu, Eric Pascal, les Warriors, Grant pour les Pistons, Aaron Gordon et son afro pour le Magic, Darius Garland pour les Cavs, Bogdanovic pour les Hawks, Rudy en purple, au Jazz, la Dwayne Wade de Winner Stays pour le Heat, une Silver de Dwight Powell pour les Mavs, Sadiq Bey et Malakai Flynn pour terminer. Croisez doigts, les trois dernières. Allez, qu'est-ce qu'on... un gros Zion. Bon, désolé Greg, hein, mais plus d'OKC, ça suffit maintenant. Bon, ben c'est un Pels, mais pas le bon. C'est Steven Adams. En parlant de pas le bon, Grand Driller pour les Hornets. Et, ah, sympa ça, Emmanuel Quickley pour les Knicks. L'homme qui ne faisait pas de passe. Et ben voilà. On a fini ces cellos. Je suis à peu près dans les temps. On en est à 29 minutes de vidéo. Bon, on va attaquer le plat de résistance. Je vais juste faire un peu de place. Parce que ce qu'il y a de bien avec les optiques, c'est comme elles sont un peu glacées, elles glissent. Donc c'est un petit peu le
Bazar. Hop, on va mettre tout ça là. Comme ça, j'évite de taper dedans et de tout mettre par terre. On va nickel. Voilà. Tout doucement. On espère deux belles autos quand même, hein, s'il vous plaît, pas de Bonzi Wells ou je ne sais quel autre joueur. Est-ce qu'on veut encore des Spellbound? Qu'est-ce que je fais? Je les sors complètement. Ah oui, hein, est-ce qu'on peut? Bon, allez, on va jouer le jeu, on va faire ça joliment. Allez, on va faire comme ça. On va les prendre une par une. Celui-là. Je pense que vous avez. Vous n'avez pas tous vu le break de ville déjà dessus. On va peut-être un peu détailler. Alors, elles sont un petit peu différentes que les années précédentes. Pour la plupart des élites, enfin, disons, des années précédentes, c'était des photos avec sur le terrain avec le public derrière. Chose qu'ils n'ont pas fait. Chose qu'ils n'ont pas fait en fait cette saison. J'aimais cette chanson. Thomas Bryant pour les Wizards. Donc là, vous voyez, c'est fond uni. Bon, après, c'est toujours les mêmes inserts qu'on va retrouver. Ils ont fait des die-cuts un peu de façon éclectique, dirons-nous. Mais voilà, bon, les cartes sont sympas. Les parallèles sont aussi, pour la plupart, très belles. Ça fait un petit peu effet mosaïque. Alors, tout le monde n'aime pas, mais bon. Je trouve les Blues sur 99, si je dis pas de bêtises, quand même bien sympa. Surtout avec pour des équipes qui ont un peu de bleu dans leur couleur, c'est quand même toujours cool. Je bois un coup. Et on continue. Jason Tatum pour les Seas. Tyrese Haliburton pour les Kings. Il n'a pas encore été transféré sur ces cartes. Danny Green pour les Sixers. La première rookie card de Herbert Jones qui fait aussi une excellente série sur 999. Toutes les rookies hein, sont numérotées sur ces box. Donc cool. Eh ben, écoutez, parfait. Je les sleeve celle-là par contre. Hop. Enfin, je les sleeverai peut-être après quand même. On va perdre du temps. Lulu. Alors ça fait un peu bizarre, je trouve, des fois sur certaines photos. Autant sur certaines ça rend bien, mais autant là ça fait un peu vide, je trouve. Facundo Campazzo pour les Nuggets et la Trae Young pour terminer pour les Hawks. Ah, celui-là. Maurice pour le Heat, Jalen Brunson pour les Mavs, Barrett pour les Knicks. Alors ça c'est une Lauri Markkanen pour les Cavs en orange non numéroté. Voilà, ça c'est un peu l'effet mosaïque. Voilà. Alors sur les oranges, bah, moi déjà de base je suis pas tellement fan de la couleur orange donc je trouve ça. Sur celle-là, bof bof. Mais sur les autres couleurs numérotées, franchement, c'est plutôt pas mal. Cam Reddish pour les Hawks. Terrence Mann, les Clippers. Clarkson pour le Jazz. J'en ai oublié une. Derrick Rose pour New York. Avec mes gros doigts. Ok, ça c'est pour le Magic. Ben Simmons pour les Sixers. Dylan Brooks, ça c'est Memphis.
Il y a le pied de Bogdan Bogdanovic qui dépassait avant. Le voilà. Bojan, purée, je vais y arriver. Et ben voilà. Premier auto pour les Clippers. 40 Butler. Qui a eu apparemment très mal. Beaucoup de mal à viser le sticker en signant. Bravo à lui. Bon, allez sur 149. Bon, les Clippers, bien évidemment. Forcément, c'est une équipe laissée derrière. Bon ben voilà. La première auto. Anthony Davis pour les Lakers. Colin Sexton, qu'on aura beaucoup vu pour les Cavs. Et Gordon cette fois-ci. Mais pour les Nuggets. Beaucoup de base hein, quand même sur celle-là. Ou Mobamba pour le Magic. Keldon Johnson, les Spurs. Richon Holmes, les Kings. Star Status pour Bradley Beal. André Drummond pour les Sixers. Dennis Schröder pour les Celtics. Julius Randle pour New York. Oh, Devin Booker. Sympa la photo. Avec le maillot Valley. Cool. Nice Alexandre. Nice. Chart encore aux Pels avant son trade. Isaiah Stewart en deuxième année, sophomore. Carmelo pour les Lakers. Jeremy Grant pour les Pistons. Primary Colors pour Trae Young. L'effet sur le cadre est sympa là. Sympa. Jalen McDaniels pour les Hornets. Kyle Kuzma pour les Wizards. Et Kemba Walker pour les Knicks. Le pauvre, j'ai envie de dire. Spencer Dinwiddie. Tradé aussi. Reggie Bullock, les Mavs, Davis Bertāns, tradé aussi. Théo Malédon, en second year pour le Thunder, je veux dire. Loqué ici. Encore Trae Young, Power Formulas. Evika Zubac, les Clippers. Ici avec Lugans Dort. Nicolas Claxton, les Nets. Sympa, Claxton. Il fait une bonne saison. Ça va plutôt bien. Ah, Anthony Edwards. En year 2, Lou Williams. Ricky Rubio, le blessé. C'est des photos de Presentation Day. Un peu flou la photo, c'est une impression. Bref. Karl-Anthony Towns. Kay Jones en auto, du coup. Bon, bah voilà, je me sers moi-même. Bah, nickel. Bon, ben voilà, c'était les deux autos, hein. Un peu anticlimax, hein, purée. Mouais. Kendrick Nunn, les Lakers, et Zion Williamson pour les Pels.
Toujours pas de spellbound. Qu'est-ce qui se passe? Elles étaient toutes chez Gilles. Voilà, il a piqué toutes les spellbound. Il n'y en a plus dans les box. John Wall, les Rockets. Buddy Hield, les Kings. Bradley Beal. Alors ça, c'est une acetate. Ouais. Cool. Jaren Jackson Jr. Memphis. Sadiq Bey. Les Pistons. Dejounte Murray. Spurs. Pascal Siakam. Les Raptors. Desmond Bane, les Grises, Kristaps tradé, mais là il est encore aux Mavs, Jimmy Butler, une orange pour OKC, Darius Bazley, allez, Draymond Green, Golden State, James Wiseman, Golden State, Jamal Murray pour les Nuggets, c'est indécent, Jimmy Avdija, pour les Wizards. C'est n'importe quoi. Scandaleux. Scandale, monsieur Grégory. Malik Beasley pour les Wolves. Rudy Gobert, le Jazz. Marcus Smart, les Celtics. Derek White. Spurs encore. Ah! Ben voilà, Chris Paul. On a cut le A. Orange. Cool. Ça, c'est bien. J'espère que t'en avais pas encore, Alex. Hop, on va le sleeve. Zou. Faire attention au coin supérieur. Voilà, on ne tourne pas. On va te mettre ça. Hop. Dans un top loader. Voilà. Première loge. Nice. Shake Milton. Les Sixers. Doug McDermott. Les Spurs. Bogdanovic, Hawks. Dorian Finney-Smith, ça c'est les Mavs. Kevin Love pour les Cavs. Ah, mais c'est le logo en fait qui est flou. Ou c'est moi qui. Je sais pas, c'est bizarre. Les cartes des Cavs, elles sont. C'est le logo en fait. Ou c'est moi qui suis. C'est moi. On va dire que c'est moi. Brook Lopez, les Bucks. Tidal Waves. Pour Pascal Siakam, ça c'est une acetate. Elle est cool. Alors, je sais pas si c'est une blue ou... C'est une bonne question, ça. Parce que j'aurais pensé qu'elle aurait été numérotée, mais non. Donc, je suis définitivement complètement aveugle. Tim Hardaway Jr. Les Mavs. Isaac Okoro. Les Cavs. Harrison Barnes. Les Kings. Norman Powell. Portland. Bon. Et rookie là, s'il vous plaît. Petite Mobley, petite Damien Mitchell. Primo. Très sympa là, hein? Kenan Martin Jr. Terence Ross. Miles Turner.
J. Crowder. Bah, J. Crowder, mais cette fois-ci en die cut sur 99. Bon, bah, les Suns. One more time. On va voir ça proprement. Hop, si tu. Voilà. Voilà, sans forcer. Quel. Top loader, top loader. Nickel. Parfait. Patrick Williams, Chicago. D'Angelo Russell pour les Wolves. Et Daniel Gafford pour Washington. Je sais toujours pas si je continue ma PC Daniel Gafford ou pas. Bon allez, hein, du rookie, s'il vous plaît. Quickly. Joel Embiid. Malcolm Brogdon. Anthony Davis en orange. Les Lakers. Joe Harris pour les Nets. Bobby Portis pour les Bucks. Blake Griffin pour les Nets et Nikola Jokic pour les Nuggets. Il nous reste quelques paquets. Pas ouf la boîte hein, pour le moment, je trouve. Hein. Je sais pas où vous me direz, mais pas bien satisfait. Hein. Il faudra qu'on en rachète une autre, je pense. Hein. Bon, c'est déjà une orange. Ouh, le petit accro sur la 2000 Lord. Victor Oladipo pour le 8. Devin Vassell en year 2 pour les Spurs. Austin Rivers pour les Nuggets. Markelle Fultz pour le Magic. Josh Richardson, les Celtics. Eric Gordon pour Houston. Kyle Anderson pour Memphis. Maxi, Philly, Rudy Gay, le Jazz, Jordan Poole avec le maillot Oakland, nice. Ok, j'ai le doigt qui colle. Là, Spellbound de Jamorant. Bon, t'en auras au moins une, Olivier. Voilà. Hop. Le petit uploader qui va bien. Vite. Hop. On va virer Kay Jones. Hein. T'es bien sympa, gars. Ouais, plutôt du moins. Voilà. Michael Bridges, les Suns. Bradley Beal, les Wizards. Darius Garland. Ouais, sympa la photo pour les Cavs. Kelly Olynyk, les Pistons. Ok, je vais bien te t'enlever, merci. Andrew Wiggins pour les Golden State Warriors. Domantas Sabonis pour les Pacers. Naz Reid pour les Wolves. Ah, alors ça c'est les cartes en acetate pour
Enfin, les Raptors, c'est une inspiration, si je dis pas de bêtises, c'est les élites football. C'est une espèce de carte à jouer. Les Raptors, hein. Vous me les avez laissés. Vooch. Vucevic. Terry Rozier. RJ Hampton pour le Magic pour finir ce pack. Mais on reste 3. 3. Killian Hayes. Les Pistons. Ja Morant. Jaylen Brown pour les Seas. Kobe White pour les Bulls. Ah ben voilà, le petit E de Curry, le E de Curry. Pour Golden State. Enfin! Hop. Bon, bah désolé, 40 Butler, mais ta gueule. T'as qu'à me signer. D'accord, c'est à balancer sur Duval maintenant. Parfait. Wendell Carter Jr. J'aime bien ce joueur. Pour le Magic. Kyrie Irving, les Nets. Et Stephen Curry, encore une fois, pour les Warriors. Hop, je vais sortir les deux derniers packs. Ah, trois derniers packs, pardon. Les trois derniers. De la magie, de la magie, de la magie. Anfernee Simmons pour Portland. Kevin Huerter. Les Hawks. Kevin Durant. C'est une orange derrière. Ouais, non, mais... Non. Ce qu'ils font le fan. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Brandon Clark pour Memphis. Jason Tate pour les Rockets. Giannis. Sympa la photo. Spurs avec Bryn Forbes. Pas possible. Désolé. Suffit là. Mason Plumlee pour les Hornets. Steven Adams de Memphis. Chris Middleton, les Bucks. LeBron James pour les Lakers. En derrière. La rookie card. Josh Christopher. Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être Jalen Green, vu que vous m'avez laissé. Les Rockets, et ben ce sera Josh Christopher. Devonte Graham. Devonte Graham qui a rejoué là contre les Hornets. Clint Capella. Tobias Harris pour les Sixers. Le dernier pack. Le dernier pack. Le dernier pack. Elle a sorti nos deux autos. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? DeAndre Hunter, Lonnie Walker, Spurs, je crois qu'on a fait l'effectif là, non? Brandon Ingram, les Pels, Pat Beverley. On va faire autrement, on va faire comme ça pour la dernière. On va terminer sur une Paul George, les Clippers, Dante DiVincenzo pour Bucks. Attention, on va faire comment? On va faire comme ça. Jason Isaac pour le Magic. Et la dernière carte. La dernière carte, c'est une die cut. Je crois que c'est une power fermulaze. Je me dis pas de bêtises. C'est pour les Wizards.
Et maintenant, c'est en plus une star Samus, c'est fort. Washington, voilà. Voilà. En orange. Avec Patrick Beverley pour les. Pour les Wolves. Bon, ben voilà. 55 minutes, un peu moins d'une heure. On aura eu quelques beaux trucs. Ah, je suis un peu resté sur ma faim, je vais être franc. Tu veux pas faire la mise au point, Micheline? Non, je veux plus. Ah, merci. Donc voilà, un peu sur les autos. Bof, 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 bof. Bon, après, Jacques Sigma, là, qui est plutôt cool et qu'on chope sur un truc un peu inattendu. Bof. Je suis un peu bif-bof. Voilà. Le tirage indécent du Thunder. Je vous ferai les photos. Je vais faire cache pour une fois. Je vais faire cache les photos, comme ça, je n'oublierai pas. Et bah voilà. Je sais pas ce qu'on breakera la prochaine fois. Je sais pas, du coup, j'avais hésité à reprendre une box Elite, mais bon. Je suis un peu déçu. Donc je sais pas, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Je tiendrai au courant. Vous me direz d'ailleurs hein, ce que vous en pensez. Voilà, des bisous. À la prochaine fois. Au revoir.